Mathieu! Mathieu, tu fous quoi là? Je te cherche depuis une demi-heure. Salut Vincent! Viens là! Attends, il est où ton masque là? Oh! Tu m'entends? Tu fous quoi? Oui, oui, je nettoie. Non Mathieu, arrête! T'as pris quel produit? Je nettoie. Non, tu nettoies pas là. Tu t'empoisonnes. Non, je nettoie. Lâche ça. Arrête Vincent, arrête. T'as rien à faire ici tout seul. Arrête Vincent, tu fais de la merde. Laisse-moi. C'est bon. Juste fais pas ça, ok? Je suis pas énervé, mais ça fait longtemps que je te cherche. Et je t'ai jamais dit de venir faire ça ici, d'accord? T'en as mis du temps. Tu sais où il était? Qu'est-ce que tu faisais, Mathieu? Il a aspergé la vigne au bord de la forêt, tout là-haut. C'est gentil d'aider Vincent. J'ai nettoyé toute la vigne. Très bien, assieds-toi mon chéri, je vais te servir. Non, c'est pas bien. Il a pas mis de masque et il a fait toute la putain de vigne. Toute la putain de vigne. Vincent. Il va finir empoisonné. Je sais pas combien de temps il y est resté. Mais pourquoi tu l'as laissé monter là-haut tout seul aussi? Il va le surveiller tout le temps. Tu l'as pas vu partir toi? Tiens-moi mon chéri, je te sers. Il a pas à faire ça? On commence à palisser dans une semaine. Votre premier palissage entre frères. T'es content, Mathieu? Entre frères, c'est notre champagne maintenant. Il faut écouter ce que dit Vincent maintenant. Ça va être chouette. Il écoutait papa. Moi, il écoute plus rien à ce que je dis. Ah, Mathieu, pourquoi t'écoutais papa et pas moi? Papa? Oui, papa. Pourquoi tu l'écoutais et pas moi? Papa, il est mort. Merci, Vincent. J'aurais bien aussi, s'il te plaît. Il est mort, papa, il est mort. Il est mort. Mathieu, arrête. Mange. Et il y a les ânes à nourrir cet après-midi. Ah, les ânes. T'aimes nourrir les ânes, hein, Mathieu? Les ânes? Les ânes, allez. On y va, Vincent, on y va. Je ne peux plus pouvoir sortir dans les vignes sans moi, d'accord? Le foin? Quoi le foin? Tiens, il est là. Tu leur en donnes qu'une botte? Deux. Non, une, Mathieu. Une. T'as entendu ce que j'ai dit, Mathieu? Mathieu, t'as entendu ce que j'ai dit? Oui, oui. Et tu vas pas vers les machines non plus? Vers les machines! Mathieu, c'est important. Regarde-moi. Après, on ira voir si les vignes au bord de la rivière sont prêtes pour le palissage. On n'est pas allé les voir, celles-là. Moi, je suis allé les voir. Tu viens quand même avec moi. Je veux pas que tu restes tout seul. Tu pourras te baigner si tu veux. Ah oui, avec Vincent. Tu viens avec Vincent. Vincent. Ouais. Tu vas pas te baigner? Non, il y a trop de courant. Elle est fraîche en plus. Elle a l'air bien fraîche. Il est pas avec toi, Mathieu? Non, il n'a pas pu attendre pour sortir, je crois. Bah, il était content en rentrant. Il est toujours content. Ah non, il est content ici de s'occuper du domaine avec toi. Je sais que c'est dur sans papa. Il serait heureux de voir comme tu y arrives bien. Et toi, t'es heureuse?
Je suis heureuse de vous voir tous les deux dans les villes. Tu penses pas que tu serais mieux de pas? Dis ça à Mathieu, tiens. Je te parle de toi, là. Tu passes tes journées à l'intérieur à regarder des catalogues de plantes que tu vas jamais acheter. Vincent, je suis chez moi. On est bien ici. Il n'a jamais été question de partir. Je sais, maman. Mais si t'es pas heureuse ici... Je suis plus heureuse ici que nulle part ailleurs. Mais papa est plus là, maintenant. On n'est pas obligé. Ton frère, il est encore là. Il a besoin de toi. Tu sais qu'on a besoin de toi. On ne pourrait pas rester sans toi. T'es heureux ici, non? Mathieu, c'est toi? C'est quoi? Sors de là! Arrête! Sors de là! Arrête, c'est pour rien de vrai! Encore un coup de feu, je te dis pas de faire les machines! Descends! Tu vas finir comme papa, c'est ça que tu veux? Hein? C'est ça que tu veux, c'est finir comme papa?